Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Vite contre le Covid. Alors on en était avec Scylla qui était en train de discuter avec Galatée qui est une nymphe. Et Galatée lui raconte comment Polyphème, le cyclope gigantesque, était tombé amoureux d'elle et ce qui s'en est suivi. Autrefois j'étais amoureuse de Akis. Oh c'était le plus beau des garçons, il avait à peine 16 ans mais il était vraiment magnifique. J'étais pas beaucoup plus âgé que lui hein, bien sûr. Nous vivions vraiment le parfait amour, j'essayais d'être tout le temps avec lui et tout le temps près de lui. Mais il se trouve que Polyphème avait été blessé par une flèche de Cupidon et était lui-même tombé amoureux de moi. Alors moi, bien sûr, je ne voulais pas le voir. Il était complètement repoussant avec son œil unique, il était gigantesque, avec ses gros poils. Il était vraiment très très laid et moi, je voulais absolument pas en entendre parler. Simplement, lui, eh ben, il se croyait beaucoup plus beau que ce qu'il n'était. Et un beau jour que nous étions avec Akis, on entend la terre qui se met à trembler, et puis on regarde, et puis c'était Polyphème qui était là, qui s'était assis, gigantesque, avec une flûte de Pan, mais une flûte de Pan monstrueuse, avec une centaine de roseaux à l'intérieur, et qui se met à chanter, qui se met à m'appeler. Et voici ce qu'il dit. « Oh Galatée, 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 toi qui es si gâtée par la nature, je te trouve si belle, tu es si merveilleuse, tu emplis mon cœur de joie, je voudrais te voir. » Te toucher, te connaître davantage, tu es si belle. Viens à moi, abandonne cette Akis dont tu es amoureux et viens à moi. Je pourrais t'offrir plein de choses, je suis extrêmement riche, j'ai énormément d'arbres fruitiers et on ne manque jamais de nourriture chez moi. Il y a tout ce qu'il faut de châtaigne, il y a tout ce qu'il faut de raisin, il y a tout ce qu'il faut d'olive, j'ai énormément d'arbres qui permettent de se nourrir. Et des brebis, oh des brebis, j'en ai des tas, des tonnes, partout, partout, qui donnent du lait extrêmement bon, et qui peuvent être bu, mais aussi transformés en fromage. Et j'ai vraiment un énorme troupeau, vraiment, je t'assure, tu ne manqueras jamais de rien. Et d'ailleurs, j'ai pas que ça, j'ai aussi des animaux de compagnie. D'ailleurs, dernièrement, j'ai récupéré 2 bébés ours, qui n'attendent que toi pour être câlinés. Ah, Galatée, Galatée. Tu sais, je me suis regardé dans le fleuve dernièrement, et je trouve que je suis quand même particulièrement beau. Oh oui, j'ai une très très belle chevelure, très grande, qui me fait de l'ombre sur mon visage. C'est vrai que j'ai des poils, oui, c'est vrai, mais ils sont loin d'être laids. Au contraire, c'est même de très beaux poils, tout comme les oiseaux ont de jolies plumes, moi, mes poils sont comme les plumes d'un oiseau. D'accord, j'ai un œil unique, c'est vrai, mais regarde, il est beau comme le soleil, on dirait un bouclier. Et le soleil lui-même est unique et on le trouve très beau. Alors, ne te laisse pas avoir par les apparences et sache que je suis finalement très beau. Je sais que tu préfères Akis, je sais. Mais je voudrais juste te dire une chose, c'est que si jamais par hasard je croisais Akis sur mon chemin, je le massacrerais, je les triperais, je le tuerais sur le champ. Alors il me dit ça. Et puis moi je le regardais, il ne me voyait pas et puis il finit par s'en aller, par partir. Alors nous avec Akis on rigole un petit peu de ce Polyphème, sauf que Polyphème finit par nous voir. Et il se met à nous courir après. Alors moi je me jette dans le fleuve le plus proche, hein, parce que je suis une nymphe, donc je peux me transformer, et Akis s'enfuit. Et là-dessus, Polyphème attrape une montagne. Une montagne, vraiment. Il arrache le sommet de la montagne, et il la lance sur Akis. Simplement, le bout de la montagne touche Akis, mais c'est suffisant pour l'écrabouiller complètement. Alors moi, je regarde ça, je suis très triste, et j'utilise mon pouvoir pour transformer Akis. Et alors, de son sang, qui était tout rouge, qui coulait, d'un seul coup, il devient translucide, il devient de l'eau, en fait. Et le rocher qui était sur lui commence à se fendre, un roseau en sort, et puis de l'eau sort, de l'eau se met à couler, et un fleuve apparaît. Et là, je vois Akis, encore plus beau que jamais, qui sort de là, qui a été transformé en fleuve. Alors voilà, la discussion de Galatée est finie, elle lui a raconté un petit peu son histoire, et là-dessus, Scylla s'en va. Et malheureusement, Scylla, il va lui arriver des problèmes avec un homme sirène. Un sirène, je sais pas si ça se dit. Un sirène. Mais ça, vous le saurez en regardant le prochain épisode d'Ovid contre le Covid. Sur ce, je vous laisse là. Bah, portez-vous bien. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Oui, partagez cette vidéo, s'il vous plaît. Et voilà. Sur ce, bah, prenez soin de vous. Hein, faites attention à vous. Et à la prochaine. Ciao !